Shalom de nouveau, berger Raphaël le Bénin, la paix dans les cœurs. Abonne-toi, abonne-toi. Vous voulez savoir que l'Esprit de Dieu, c'est l'école monotrifiée. Le contenu, contenait de connaissances, voilà. Bibliothèque spirituelle, ça appartient à Dieu. Et lorsque le ciel nous a montré, nous devons partager, nous devons donner. À des moments donnés, si nous avons les connaissances et puis on ne donne pas, Dieu ne peut pas nous donner encore retour. Parfois, nous avons du mal à vivre. Nami, pour de freiner. Parfois, nous avons du mal à vivre. Pourquoi? Pourquoi on dit les ennemis de la vie, les ennemis de la nature? Qu'est-ce que nous avons fait à l'être humain pour que l'on ne doit pas vivre une vie heureuse? Non, c'est bon, c'est bon. Pour que l'on ne doit pas vivre une vie heureuse, nous avons fait quoi? Non, c'est juste l'homme même se laisse posséder pas des idées. Parfois, nous accusons le diable, nous accusons Satan tout autour. Bien sûr, nous devons accuser Satan, le diable, peu importe, mais l'homme est le premier diable de lui-même. Parce que il y a un thème que j'aime utiliser. Ne fais jamais confiance à toi-même d'abord. Puisque ce que toi-même, tu t'es fait interdire, c'est que ce que tu as interdit à toi-même, demain tu pourrais encore le faire. Donc, à qui tu vas placer ta confiance, à qui tu vas poser ta confiance, tu dis que c'est mon confidentialité ou bien je ne sais pas quoi, c'est Dieu. Parce que Dieu, lui, n'a pas d'erreur. Sa parole est sa parole. Il doit bien ou bien. Qu'est-ce que vous allez faire pour que lorsque vous allez réveiller les matins, et puis ils ont négocié avec la terre pour vous envoûter. Si vous ont déjà confié à un sorcier, si ils ont déjà fait les réunions pour dire que mais leur temps est fort, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis le ciel, celui qui l'a créé, et la terre, celui qui l'a créé également, et tous les esprits qui s'en trouvent, le Dieu de toutes ces choses va vous aider, vous protéger. Elle est simple. Si tu veux encore plus de bénédictions, je veux que tu t'abonnes. Tu cliques sur la cloche de notification, partage tellement les vidéos. Ce qui sera une grande bénédiction pour toi aussi. Il ne faut pas le garder dans tes favoris pour toi seul, partager. Tu auras une grande bénédiction. Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Vous voyez, vous allez trouver une jarre comme ça. Mais celle qui aura une possibilité de garder, vous voyez les pieds comme ça, que vous pouvez poser au sol tranquillement. Je dis, c'est comme ça. Parce que ça représente la terre. Maintenant, demande à ce qu'on vous trouve de l'eau. Non, du sable, pardon. Du sable. Du sable de la mer. Il y a un coucou. Les sables qui se trouvent au niveau de la mer, on vous trouve un peu. Quand on vous trouve un peu de la boue, de la vigne, un peu. Quand on vous trouve un peu aussi du sable, de l'eau de ruisselle, quand si ça c'est si fort, un peu. Quand on vous trouve le sable naturel de nous là, un peu. Ça fait combien? Ça fait 3. La mer, la vigne, ça fait 4. La mer. La vue là, c'est la boue, un peu, tout petit peu seulement, un peu seulement. Et ruisselle, ça fait 2. Celle-ci, ça fait 3. Et le sable simple, ça fait 4. Maintenant, dites à ce qu'on vous, dans n'importe quel village, il faut que ça soit un village. Dans n'importe, même si les villages, donc vous entendez le nom, puis vous avez eu la peur. Voilà, le sable de ce village. Au village déboulé, là, que ils ont quoi? Attendez donc. Mais il est mon pauvre, mon père. Je dis n'importe quel village. Et puis c'est fini, ça fait 5.
Mais le sabre naturel là, c'est ça qui va être à la hauteur de tout. Donc, premièrement d'abord, vous mettez la boue que vous avez récupérée, j'aime pas du bas-fond, hein, récupérée auprès d'une lagune. Lagune, si je vais bien m'exprimer, lagune, Nokwedong, il y avait une rivière là qui se confrontait parfois avec la mer. Là. Voilà, donc c'est son sable un peu. Donc c'est ça que vous allez mettre en première position dans le jar. En première position dans le jar. Et puis celle de l'eau de ruisselle, vous le mettez en deuxième position. Maintenant, celle de la mer, vous mettez ça en troisième position. Maintenant, vous allez chercher ce qu'on appelle le gardenia. Ça, on fait ça gardenia. Daplaku. Daplaku. Vous cherchez gardenia. Ça là. Vous trouvez trois. Et vous allez ajouter ça sur le sable de la mer qui est en quoi? Qui est à la quatrième position, si je ne me trompe pas. Non, qui est à la troisième position. Donc, vous ajoutez sur ça trois. Vous cherchez le bitacola selon votre cesse. C'est 9 pour votre cesse et 7 pour. En tout cas, vous connaissez déjà. Vous ajoutez comme ça. Il ne faut pas enlever les écorces, que ça reste comme ça. Et vous allez ajouter ça. Donc, vous allez placer ce monsieur-là. Regardez, en triangle. Et là, tout prix. Voyez. Voilà, donc les 7 là vont rester au milieu. Vous voyez un peu maintenant. Et puis, vous allez maintenant verser le sabre que vous avez récupéré de n'importe quel village là. Vous allez verser sur ça. Vous allez trouver un peu de la peau du panthère. Je dis bien un peu de la peau du panthère. Un peu. Vous allez trouver un peu de la peau du serpent vipère. Suivant, c'est ça qui est ici. Un peu de la peau du serpent vipère, un peu de la peau du serpent boa. Et bon. Et vous mettez ça sur le sable de la mer là. Maintenant vous prenez le sable naturel pour couvrir. C'est fini. Chaque matin, vous allez déposer ça à côté de votre lit. Si vous respectez cet exercice pendant 91 jours, même si s'il arrive un jour que vous avez oublié, vous devez savoir que vous êtes déjà initié avec cet élément-là. Il n'a fait auprès de nous. En tout cas. Maintenant, chaque matin, lorsque vous êtes réveillé, lorsque vous revenez de votre lit, posez votre pied. En vous revenant de votre lit, posez votre pied. Un. Et deux. Avant de vous lever. Je ne sais pas comment expliquer. J'espère que vous. Je me suis réveillé de mon lit. Avant de mettre les pieds, je pose mes pieds sur ça d'abord. Et si tu as une parole, tu vas dire. Il y en a plein de paroles, mais qu'est-ce que je veux te dire? Tout simplement. On ne menote jamais la terre. Que tout sorcier qui ose me menoter, menote son destin. On ne dopingue à Yikunga. On ne menote jamais la terre. Ce que je vous ai donné là, en même temps ça, la bénédiction d'évolution. Ceci permettra, même si la journée là c'est faux, il suffit que vous placez, vous posez. Si c'est pour la chance par exemple, je vais vous donner. Vous allez dire, la place ne peut jamais manquer dans la brousse jusqu'à ce que Boa ne trouvera pas de la place pour rester. Ou bien, la nourriture ne peut jamais manquer. Boa. Je ne sais pas. Alors, tu es maintenant en ce moment, tu es capable de battre mes bois. Ou bien, on connaît mon louton. Lorsque je suis à la maison, je dois trouver de la nourriture. Ça, là, maintenant, on dit l'oiseau qui mange ne mange jamais. L'oiseau qui mange ne mange jamais sur l'arbre de gardenia. Je vous ai juste donné un peu. Tant que la mer bouge, je vais toujours bouger. Donc, à des moments donné, ces paroles, si ça vous prononcez ces paroles-là,
Vous priez Dieu, vous demandez tout ce que vous voulez. De toute personne qui pense que moi, tel je ne me que c'est moi, je vais évoluer. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont enchaîné. Et vous posez votre pied au sol. Faites tout ce que vous voulez. Si vous avez prié pour vous. Ça, c'est pour mon papa. Il s'appelle Adentrego. Le vieux. Ah, donc, c'est un cadeau que je vous ai donné. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Partagez. Il y a plein de choses qui viennent. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour avoir des bénédictions. Shalom.